Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers membres et croyants de notre chère Église Philadelphie, nous sommes à cette célébration des 50 ans de la vie de l'Église. Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits jusque-là. Les événements qui ont marqué la vie de cette Église sont multiples sur nos pas, sous nos yeux, comme aussi dans la réalisation et la prolifération des ministères, si je peux parler de multiplicité. Aujourd'hui, cette célébration est teintée de gratitude, est à la fois une célébration de l'œuvre de Dieu par sa fidélité dans la vie de son Église. C'est aussi l'accomplissement du Saint-Esprit qui a distribué les dons et les talents, et aussi c'est la multiplication des membres et qui ont répondu fidèlement à travers les 50 ans à faire de Philadelphie ce qu'elle est aujourd'hui. Les différents événements qui marquent et marqueront aussi les aspects de cette célébration sont aussi des moyens pour évoquer non seulement ce que le Seigneur a accompli à travers les années, mais ce que vous avez aussi accompli dans la vie de cette Église, dans son évolution à travers le temps et l'espace. Ainsi, nous pensons à des événements comme les retrouvailles, comme le banquet du 50e, pour ne citer que cela, et ajouter probablement d'autres événements, soit le plus prochain, qui soit la journée gastronomique, je dirais. Et c'est important pour vous, pour nous, de nous rassembler autour d'un thème, gratitude au Seigneur pour sa fidélité pendant les 50 ans. Nous n'oublierons jamais les zones de turbulence, les espaces où le leadership de l'Église n'était pas à son pôle. Mais le Seigneur a marqué ce qu'il avait dit au territoire de Césarée de Philippe. « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Philadelphie est une évidence de cette déclaration venant de la bouche du Seigneur, maître et tête de son Église, en sorte que si aujourd'hui cette Philadelphie est debout, c'est parce que son Seigneur a sécurisé et a assumé la fondation, la possession et la protection. Ainsi, je vous demanderai de vous joindre à nous, que vous êtes venu hier matin, que vous êtes venu 10 ans de cela, et que vous étiez là depuis 1971, la célébration est vôtre, la célébration est nôtre, la célébration est pour notre Dieu, avec notre Dieu et par la fidélité de ce Dieu. Je vous aurais recommandé, chacun de vous, à prier pour la réussite de ces différents événements, à venir célébrer avec nous, à être témoin de l'heure de la consécration de nouveaux diacres et diaconesses et à regarder l'Église pour les 5 prochaines années ou pour les 50 ans à venir, si le Seigneur tarde à venir, comme étant votre famille spirituelle ici au Québec et par-delà le globe. Merci d'avoir fait de Philadelphie votre famille spirituelle, votre lieu de ministère, votre église locale, votre assemblée chrétienne. Joyeux 50e.